Henri Conan Bédier poursuit la restructuration de son parti, le PDCI-RDA. Il a procédé à de nouvelles nominations avec une surprise de taille, celle du choix de l'ancien rebelle, le général Michel Gueux, nommé vice-président du mouvement politique fondé en 1946. Ce dernier, désormais à la retraite, ne s'est jamais affiché politiquement en Côte d'Ivoire. Sa nomination surprend de fait plus d'un. L'ancien chef d'État, qui, par sa possible candidature en 2020 pourrait contraindre celle d'Alassane Ouattara, a également nommé l'ancien ministre Gilbert Bleuléné et le docteur Kwasi Yao en qualité de vice-président du PDCI RDA.